Voici la gamme English Cats. 5 jeux de cartes pour découvrir le vocabulaire et l'anglais. Premier thème, les animaux. Nous aurons 3 styles de cartes pour tous les jeux. Les cartes images, les cartes mots, les cartes duo. Exemple, cat pour le chat. Dans chaque jeu, vous retrouverez une correction si besoin avec les mots en français et en anglais et une carte souris qui servira à quelques règles de jeu. Deuxième thème, le matériel scolaire, school supplies, with the book, l'image, le mot et la carte duo. Ensuite, couleurs et formes, colors and shapes, with a star, green. À chaque fois, image, mot, duo. Les deux derniers, fruit, donc les fruits, avec l'image, le mot, strawberry, la carte duo, et les légumes, vegetables, corn, l'image, le mot, les cartes duo. Voilà pour la présentation des 5 jeux. Voici donc le jeu Animals. Je vais vous présenter rapidement les différentes règles. Première règle, le tricats. Les images sont posées sur la table. Nous prenons les mots en main. Les cartes duo sont posées cachées sur la table. Ensuite, nous regardons Donkey et le mettons sur la bonne image. Duck, cat, horse, goat, dog, etc. Une fois que nous avons posé toutes les cartes jaunes, nous vérifions avec les cartes duo. Exemple, donc, voilà pour le tricats. Deuxième règle, le Misty. Pour ce jeu, il faut préparer les paires, si possible avec la carte mots et les cartes images. On pourrait aussi jouer avec les cartes duo et cartes images pour plus de facilité. On sélectionne 7 paires par personne. On ajoute la carte souris. On mélange et on distribue les cartes aux différents joueurs. Dans cette règle-là, nous proposons juste pour 2 joueurs. Ensuite, chaque joueur regarde dans son jeu s'il a des cartes, des paires. Exemple, rabbit. Au moment où il en a, il les pose et doit les nommer. Puis, il pioche dans le jeu du voisin une carte et voit s'il peut faire quelque chose. Bonne pioche, frog. La carte souris ne pouvant s'appareiller, c'est la carte qui restera en main au perdant. Voilà pour le jeu Misty. Pour la même, avec le même jeu, si nous enlevons cette carte-là, il ne restera que des paires de cartes et nous pouvons jouer au même ocas. Jeu de mémoire sous forme de paires, nous posons les cartes devant et nous devons retrouver les paires . Je commence, le premier joueur retourne. Mauvaise réponse. C'est au suivant d'essayer. Il a gagné la carte. Et le jeu continue. Le but sera de gagner le maximum de paires. Voilà pour mes Rockets. Voici la règle des défis. À ce niveau-là, les joueurs doivent connaître au moins la moitié des mots, si possible, tous les mots qui sont sur la table. Nous posons donc les images sur la table
et nous posons à l'intérieur les cartes avec les mots et les cartes du haut, soit dans un ordre précis, soit mélangé. Puis un joueur regarde une carte et annonce aux autres. A rabbit. Les autres joueurs, en écoutant, doivent pointer le plus rapidement possible la bonne réponse. Le plus rapide à trouver la bonne réponse va gagner la carte qu'il met devant lui. Deux possibilités de jouer. Soit il y a un maître de jeu, comme dans ce cas-ci, soit sinon, il y aura un petit paquet de cartes. Et dans ces cas-là, c'est le suivant. Le suivant annonce Duck. On regarde rapidement. Le premier qui pointe gagne. Et le jeu continue. Le but étant de gagner le maximum de cartes. Si jamais on se trompe, on n'a pas le droit de taper deux fois. Dernière règle, la bataille, nommément aussi appelée Identikatz. Chaque joueur a un paquet de cartes, la carte souris est présentée au milieu de la table. On retourne à tour de rôle une carte devant soi. Si on a le même animal qu'un autre, il faudra taper sur le gruyère. Trois souris. Tant qu'il n'y a pas de mots communs, on continue. Dès que deux joueurs ont un nom commun, le plus rapide à taper donne ses cartes à l'adversaire. Celui-ci les range, le plus rapide rejoue et on recommence. Les cartes posées sont toujours valables. De même manière, mot commun, le plus rapide donne ses cartes et on recommence. Le but sera de donner tout son jeu. Pour accompagner les jeux, quatre dossiers sont proposés. Le jeu avec les animaux, un dossier qui fera fruits et légumes, un dossier sur le matériel scolaire, un sur couleur et fond. Ils seront tous faits de la même manière. À chaque fois, différentes règles avec le même jeu de cartes, des activités et planches de loto. Commençons avec différentes règles. La règle du tricat, la viande préposée. Activité à faire en classe. Le jeu de plateau qui mêlera tous les jeux qui seraient proposés. Et enfin, l'activité, la version jeu de loto. Voilà pour la série des jeux Inglikatz.